On est de retour sur Datomir, qui est sûrement le dernier passage avant la fin du jeu, et on devait aller tout au bout. Ah oui, on devait retourner au temple. Alors, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ok, c'est du tout droit. Ok, c'est parti. Ah bah je peux monter là. Nice. 10 minutes de délibération intense, mais le rose a gagné. Eh ouais, c'est ça. C'est... Ah oui, c'était le merdier quand on est parti. On avait cassé notre sabre. Allez, déjà les embrouilles. Attendez, je monte le son des jeux pour moi. Hop, va-t-on revoir notre maître? Tant de questions qui restent à résoudre. Exactement. Oh, il a la puissance. Oula, attends, attends, attends. Voilà, j'avais vu des bébêtes. Oh putain! Ok. Tape dans le vent. On va m'appeler Tape dans le vent. Avec leur poison, ils font chier. Hein. Oh, je vais faire des. Up here. Ok. Dites-moi, le son est bon. Normalement, tout est bon. J'ai pas changé les niveaux de son depuis la dernière fois. C'est vrai que je commence à m'y faire au rose. Hein. On marre. Oula oula. Je commence à laguer un peu. Allons nous planter dès le début. Ok, cool. On va se soigner tant qu'à faire. Hein. On va reprendre notre petit medikit qu'on a utilisé. Ça coûte rien. Oui, Five Bro, merci pour le follow mon ami. Installe-toi. Bon déjà, il n'y a que les zombies, il n'y a plus les autres de la dernière fois là. Ils étaient assez relous, assez forts. Ok, il y a le temple ici. Est-ce qu'on va recroiser l'ancien maître Jedi là? Qui a un peu renié la force. 5 Blois, bienvenue. Installe-toi, installe-toi. Oula, 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 oula. Ok, oh, on les connaît. C'est parti. Oh non, lui je le connais pas lui. Oh, il a un lance-flamme et tout. Première fois qu'on se le tape lui hein. Oh la violence. Il faut se faire lui en premier hein. Non, l'autre. Wouh. Le mec torse nu, ouais, le mec torse nu, je sais pas si on va le revoir. Bon, ça commence bien. Bon, il y a eu un problème de lock là hein. J'ai essayé de locker sur l'autre, il m'a locké sur le robot malheureusement. Mais bon, tout le monde a droit à une deuxième chance quand même. Soyez indulgents les mecs. On vient de commencer. Oh. Ok. Est-ce qu'ils seront toujours là? Même pas sûr en fait. Il me semble la dernière fois que je suis mort contre eux, ils avaient disparu. Merde, on m'a fait flipper cette conne.
Eh, je pense qu'ils se sont barrés. Hein. Ah merde. Ça c'est dommage, je comprends pas trop le délire. Est-ce que c'est des chasseurs de primes? Ça apparaît juste random de temps en temps. Bon, écoute. C'est comme ça. Allons dans ce temple. C'est bien ici qu'on doit aller. Hein. Yes, tout droit et tout droit. Que je me prenne ce jeu, il a l'air vraiment trop bien. Je crois qu'il est en promo sur Play 4 en ce moment. Alors. Juste histoire pour avoir le checkpoint, ça de pas tout recommencer. Allez go. Il était parti où là, BD1? Des fois, il part pour analyser des trucs. Non. Alors. Tu l'as fait deux fois. Ouh. Nous, c'est la première fois. Master. You were wrong to return here unarmed. Not unarmed. You think that lightsaber proves you a Jedi? No. Facing you. Memories that have haunted me since Braca. I won't run from them anymore. Then let us see what manner of death your courage brings. Oh putain. On le revoit et en plus on se le fait apparemment. Too slow. Too slow. Peut-être qu'il faut qu'on arrive à le toucher. Non. Power, the answer. No. C'est assez stylé hein. Plus on avance dans le jeu, plus les cinématiques sont stylées. Ça y est, on retrouve nos bons vieux amis. Ça dégage. Ciao Fablob, merci d'être passé, merci pour follow. La puissance du lancer de sable, ah, t'as vu ça? Putain, en plus, il le coupe en deux. Hein. Il le coupe en deux et il le rebranche. Putain, c'est trop stylé quoi. Alors, on peut aller ici. En face. Oh non, non, non. Allons voir ici d'abord. Merde, il a pas voulu s'accrocher. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ok.
Ah, je viens juste de le voir en fait qui décroche le sabre. C'est tout, c'était juste pour ça. Oh non, il y a un autre truc là. C'est vrai que c'est stylé. Et on peut... Ah, sauvegarder ici. D'accord. Bah écoute. Ah non, c'était pas une sauvegarde. This man has promised to grant us our vengeance, but only if I teach him our magic. Il est stylé le couteau là. Forgive me. I must ally with Malikos. Allez, let's go. Est-ce qu'on va se taper contre la sœur de la nuit? Je pense pas. Je pense qu'on va se taper contre l'autre Jedi torse-nu peut-être. Il a l'air d'avoir deux sabres lui par contre. Hein. You chose to return. Brave, but not wise. Maybe. Meryn, right? I'm Cal Kestis. What you were told about the Jedi was not true. So you say, Cal. Malikos said many things too. Terran Malikos might have been part of my order, but what he is now, I have no idea. All I do know is having a lightsaber isn't what makes you a Jedi. Then what does? We were peacekeepers. We were betrayed by those we protected. Hunted down by the Empire, I might be one of the last of my kind. Allume-le là. Yeah. I was only a child when they premier truc que je fais si j'ai un sabre, moi je l'allume. Hein. An armored warrior brandishing this descended upon us and cut down my people, my sisters, until I was left alone with the dead. Then Malikos came and promised me revenge if I shared our secrets with him in return. I know what it's like to lose everything. And Malikos was wrong to use that against you. We don't have to be enemies. We will need this. There she goes again. Elle a l'air sympa. I'll be watching. Let's get out of here. Putain de pervers celle-là. Ok. Malikos lies ahead. You could turn back. I can't. Lives are at stake. Oh, c'est sûr. Whose lives? Innocents. Four sensitive children who will be hunted down and murdered. As we were. Pas mal l'atmosphère là. Mais c'est sûr, tu donnes un sabre laser à tout le monde. Moi le premier, je coupe un truc. Mais ouais. Alors est-ce qu'on va avoir des nouveaux ennemis ici? Ah bah tiens. Attends, il veut scanner. Voilà. Il y a le Jedi là-bas. Ça, c'est un boss. Vous êtes chaud. En plus, il est en mode torse nu. Il est en mode... pour ceux qui connaissent le duel de fin entre Solid Snake et Liquid Snake. Sur le... C'est où? C'est sur le Metal Gear et dans le 4 c'est sur le sous-marin nucléaire. Ça me fait un peu penser à ça quoi. Allez go. Cal Kestis. Malikos. Welcome home. Here to begin your training. What in these ruins tempts you so much? Or risk death? Hello, tech, qu'elle regarde. I could ask you the same thing. There is power there. Beyond Jedi understanding. Power I control. I would offer you the same thing. Don't you understand? I'm not interested in power. I want to restore the order. Restore the Jedi Order? Oh, you poor fool. It's over!
Jedi fell long before the Purge. It was stifled by tradition. Deafened by our past glories. Blinded by endless war. Maybe. But it's never over, Malakos. We stand here now, the chance to learn. To rebuild from our mistakes. Jedi learn. There's no future for them. Why can you not see that? It's time for something new. You and me. We could build something different. Something better. No. Et c'est parti. Dathomir will be your grave. Oh, putain, il a le double sable rouge. Oh, j'aimerais trop. Dodge it won't save. Lock it won't help. Je crois qu'il va être chaud lui hein. Strike through or perish. J'arrive à lui casser sa garde. Merde. Good for nothing, Jedi. I hardly felt that. Ouf. Putain, je lui enlève rien hein, comme dégâts. Hein. Voilà ce qui s'est passé, Sam. A decent defense. Et il va être long le combat, je vous le dis tout de suite. Là, je l'ai bien enchaîné là. Putain, le double sabre rouge, comment j'aimerais trop. Le mec, je l'attaque au sabre, il bouge, il bronche pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça y est, ça part en mode Avengers. Ah putain, j'étais à deux doigts de le taper là. Nice. Et tu triches. You have no right to stop the mirror. No right to our magic. Elle va crever. Get up, Cal Kestis. You're not dead yet. Fuck yeah. Not too slow for me. The only cowards run. Putain, il m'a défoncé. Help me, here. J'ai pas le temps de l'attaquer, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Speedy, Stim. You die, my soul. Ouh, ça, ça fait mal, hein. En fait, je peux qu'elle attaquer qu'après une attaque rouge, quoi. Il fait trop de dégâts. Putain. Bon, ça, ça va. Nice. Putain, j'ai rien le temps de faire. Buddy, help. Putain,
Like finesse. T'as c'est another step. Des combos qui sortent. Dodging won't save you. Not too slow for me. C'était pas mal là. Ça y est. Try that again. Putain, j'ai esquivé trop tôt. Merde, j'ai plus de medikit. Dommage. Il lui restait pas grand chose. Bon, ça va, on commence à savoir un peu ses patterns. Ouh, en tout cas, il est stylé. Hein. Il est méga stylé. Tiens, ces sabres, là, il me les faut, ces sabres. Oh, on commence d'ici. Ok. Est-ce que je peux courir? Attends, je vais voir un truc. Merde. Est-ce que je peux me barrer direct? Voilà, on va pas s'emmerder à perdre de la vie dans le vent. Merci pour tes encouragements, Sam. T'inquiète, ça va le faire. Il est stylé le boss fight en tout cas. Si on va te battre. Bon, au début, voilà, il faut lui niquer sa barre d'endurance. Il fait pas des gros combos de ouf au début. Hein. Voilà. J'ai même pas d'attaque rouge au début. Si, ça y est. Ok. Vas-y, là, attaque. Tiens. Ouh, pas mal ça. Okay. Allez! Yes! Strike me down! Oh nice! J'ai bien fait la parade. Another! Ok, ça, ça va. Cannot avoid death forever. Ah ouais, putain. Je suis obligé d'esquiver parce qu'il me nique ma barre d'endurance. Try that again. Fight me. You are not powerful enough. Ah, putain, j'ai pas le temps, hein. Pourtant, merde. Mon timing est pas mauvais. Hein. Ouais, tu parles, on l'enlèverait en endurance avec ça. Ok. Faut que j'arrive à le parer plus. Voilà. Only cowards run.
Putain, j'ai esquivé. Merde. Ok, ça, ça va. Oh oui. Putain. I'm too quick for you. Only cowards run. Ça va être chaud, hein. Oh nice. Vas-y, bourrine. That was nothing. Voilà, nickel. En fait, vous, j'attaque qu'une fois, j'ai limite pas le temps d'attaquer deux fois, quoi. Ok, là il le fait deux fois son attaque rouge. Faut que j'arrête de vouloir l'attaquer après l'attaque rouge, c'est ça qui me fait perdre en fait. Merde. Ça va être chaud, hein. Ok, celle-là je peux attaquer après. Mais... Nice. Ça va être chaud. Allez, allez. Allez, crève. Putain. Merde. Oh non, je peux pas me permettre de perdre la vie avec ça, quoi. Putain. Oh non. Oh, on se rapproche tellement. Ouh. On va y arriver, on va y arriver, les mecs. On va y arriver. Ah, c'est ça qui est bon. Eh, hey, serait pas, ça se trouve, c'est le boss. Je pense pas que ce soit boss de fin, mais ce serait pas un bon boss si c'était trop simple. Hein. En tout cas, c'est intense. Hein. Ça, ça fait plaisir. Oh. Ouf. Ok, on sait déjà qu'à partir de la moitié de sa vie, il nous enchaîne les deux attaques rouges d'affilée. Donc, faut que j'arrête de vouloir attaquer à tout prix quand il nous fait son attaque imbloquable. Sauf celle où il saute de loin et un gros coup par terre. Celle-là, j'ai vite fait le temps. En fait, il faut que je perde moins de vie la première phase. Il faut que je fasse plus de parades. Peut-être faudrait que je me serve du saut. Attends, si je suis comme ça là et que je saute, ouais, peut-être. Allez, go. Tu vas crever. Oh putain, il... Donc là, il en fait qu'une d'attaque rouge au début. Ok. Putain, je faisais une parade pourtant. Parade. Okay. Merde. Peut-être qu'il faudrait que je lui fasse l'enchaînement avec les doubles sabres quand j'ai niqué sa barre de garde. Ok. La parade, ça fait le taf quand même, hein. C'est pas mal là. Première phase, faut juste faire des parades en fait. Voilà. Juste des parades et esquiver quand il faut esquiver. Voilà. Merde. Ok, là il commence à enchaîner. Fight me. The only cowards run. Merde. Nice. Nice, ok, la première phase, déjà on s'en sort beaucoup mieux. Hop.
Merde. J'arrête d'attaquer, putain, quand il fait ça. Ça marche pas. Ok, nice. Putain, j'ai pas le temps de me soigner, hein. Ok, là, il commence à faire des doubles combos. Vas-y, attaque. Merde. Je fais tout le temps la même erreur. Come on! Voilà, là c'est pas mal. Trois sur trois, hein. Je l'attaque alors que je devrais pas l'attaquer. Voilà, là je peux l'attaquer. Là je l'attaque pas, putain. Voilà, et là, boum, boum, boum. Pas mal. Putain, mais j'esquivais ça tranquille tout à l'heure là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est la bonne là, je le sens. Là. Nice. I need something, buddy. Allez, on a 3 medikits et full life. Je fais nimp. Not too quick for you. Là. Arrête d'attaquer, putain! Voilà. J'esquive, hein. Bon là on a 2 medikits quand même. Allez, oh merde, non. Putain, j'ai pas eu le temps. Allez. Yes. Like you said, Malikos, Dothamir will be your grave. Let him lie in the dark with his secrets until death takes him. Why'd you help me? To rid Dothamir of that parasite. Oh, le fight était grave stylé. Par contre, putain, la mort était pas stylée du tout, je trouve. Putain, s'il avait... Putain, t'imagines, là, le mec tombé à terre. Il le faisait un peu... C'est dans l'épisode 1, non? Oui, mais les deux sabres comme ça. Tu vois, il l'aurait mis à terre. Il aurait pété son sabre en deux. Il aurait mis les deux comme ça. Il aurait tranché la tête. Ça, c'était stylé. Mais là, ouais. C'est vrai que sa mort est un peu... Elle est pas au niveau... Au niveau du combat, je trouve. C'est un peu dommage. Mais le combat était grave cool, en tout cas. What are you really doing here, Cal Kestis? The ones who built this tomb, the Zepho, they created an object called the Astrium. It opens a vault on a distant planet. Inside is a list of 4 sensitive children across the galaxy. But the Empire is looking for it, too. What Empire? The Empire. The one bent on exterminating 4 sensitive so no one can stand against it. Then it will come for Dothamir before long. Ouais, ça y est, on l'a eu. As the war did. I will help you find this Astrium. Nice. Anakin Doku, ok. Ah, le fight était méga stylé. Hein. Un des meilleurs fights du jeu pour l'instant. Le fight de la 9e sœur était stylé. Le premier fight de la 2e sœur était méga stylé aussi. Alors, on a 3 points de compétence.
Ça sent la fin du jeu, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça commence à mettre des gros boss. Les capsules de Steam rechargent totalement votre force. Ça c'est abusé. Ah mais j'ai déjà. Est-ce qu'on a un autre truc à 3 points? Non. Bon bah écoute. Alors cette sabre à double lame. On s'en fout. On va prendre. La traction, la poussée. Ralentissement. On s'en fout un peu, du coup on va juste prendre des trucs. Ah, tu peux ralentir tout le monde, ça c'est pas mal. Et on va se prendre un truc tout con, poussée massive. Voilà, allez go. Continuons. Donc il resterait une planète apparemment. Hein. Du coup il faut qu'on ouvre un truc sur une autre planète. Ça va. Il faut aller ici. This place, it's... Oh c'est stylé. Oh le fail. J'avais pas vu le trou. M'a dit. Alors. Hurry up, buddy. On va se taper contre un dernier gardien? Non. Ok. La puissance. We finally found it. It is real. Baron, this could be the key to the next generation of Jedi. Ça y est, ils sont meilleurs potes maintenant. I'm happy for you. And your Jedi. But nothing can bring back my people. Deviens mon padawan. Eh, hey, elle serait trop stylée en Jedi, elle. Hein. I was alone for a long time. In hiding, I was... Pas de soucis, Sam, t'es pas obligé. Scared hein. That they'd find out who I was, or what I was. What changed? A very good friend of mine told me to go out and find my place in the galaxy. And you listened. No, but life has this funny way of forcing you on the path forward anyway. Now here I am, or at least expected. A path forward. I will join you. Cool. You will? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I'm finished waiting. I wish to fight by your side. Night Sisters and Jedi do not travel together, but... Survivors. We adapt. Yeah. Yeah, I guess we do. Le jeu d'acteur est assez cool, hein. My crew, they might take a little bit of convincing, though. Then we'll convince them. Ok, c'est un peu le reproche, Shinzo. Tu dis, le perso, il manque un peu de charisme. C'est un peu le reproche que tout le monde a fait quand ils ont montré le design du perso. Et du coup, c'est un vrai acteur. Hein. Il ressemble à l'acteur. Hein. Un acteur que je kiffe bien. Mais ouais. Ça a dû être un peu dur pour lui, quoi. Tout le monde a dit que je l'ai trop bien, mais le perso manque de charisme à mort, quoi. Mais je pense que c'est fait exprès, hein. Il voulait un mec qui doute de lui et tout. Bon, peut-être le Pancho Rose n'aide pas.
Alors, il faut qu'on retourne au vaisseau du coup? Non? Ils me mettent pas où je dois aller. Ouais. Bah, ça veut dire qu'il va se passer un truc. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille, on continue? Oh, j'ai envie de continuer l'histoire là. Et en même temps, il y a tellement d'endroits à fouiller. On va se la faire, elle, c'est obligé. Ou alors elle va crever et la deuxième sœur va la buter. Oula. There's no way forward. Body language est moyen. Ah, enfin, moi je parlais du. Surtout du visage. Je trouve qu'ils ont fait un gros taf au niveau du visage, c'est assez cool. Bizarrement, surtout les femmes. Compliqué de bien transcrire les émotions, les petites mimiques du jeu, même si. Ah ouais, ouais, c'est sûr que c'est compliqué, mais bon. On est en 2020 quand même. Pourquoi ils sont de cette couleur, eux? Are you gonna help me with this? I'm sure you can handle it. Bon, peut-être qu'on peut se barrer comme tout à l'heure, mais. Ils sont bizarres, eux, hein. Ok, lui il est dead. Ils sont vraiment bourrés en fait. Hein. Hey, buddy! En fait, faut juste les esquiver en attendant qu'ils tombent par terre. Hop! Voilà. Continue une histoire et continue de fouiller après, mais ils ont géré ton. Ah, t'as envie de voir l'histoire, hein, je comprends. Moi aussi. La fuite, ouais. Something terrible happened here. C'est de l'esquive, c'est pas de la fuite. Killed their own kind for promises of power. Alors. Ok, donc elle va nous. Elle va se foutre de notre gueule jusqu'à qu'on retourne au vaisseau, quoi. Who is she? Seer? Wait, how do you know about her? I have seen your companions. Malikos wanted me to attack them, but they pose no threat. Seer, well, she used to be a Jedi. It's a long story. I would like to learn it. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas découvert sur notre trajet? Bon, ça, c'est pas vraiment sur notre trajet, mais sur notre trajet. Non, on a tout découvert. Ok. Juste celui-là, quoi. Ok. On va peut-être se faire juste celui-là. Je garantis rien. I'll meet you at your ship. Ok. On va se reprendre notre medikit, tranquille. C'était où l'autre? C'était la salle d'après sur la gauche. Oh, ils sont back. Il est tout seul? Non. Oh putain, lance-flamme aussi. Putain, j'ai esquivé pourtant. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je peux rien faire. Putain. J'ai même pas le temps de me soigner. Ah, ils sont casse-couilles, hein. L'autre il tire et l'autre il me fait une attaque rouge en même temps. Je peux rien faire. Pourtant je courais, hein. Ah, ça fait chier, j'ai envie de me les faire, mais ils vont être partis en plus. Pourtant au début on avait pas de mal avec eux, hein. Ils ont dû augmenter le niveau. Oh merde, merde, merde. J'ai du mauvais côté là. Je vous laisse admirer sa chevelure. Eh
Ah oui, c'est de ce côté. Je suis con. La force, ouais. Il faut que j'en ralentisse ça. Hein. Pas le choix. Bah après, c'est moi, hein. Je me plains. Hein. C'est ma mauvaise foi. Hein. C'est dans le descriptif du stream. Hein. On parle de tout. On... avec beaucoup de mauvaise foi. Mauvaise foi. Ah, ils sont partis, ouais. Oh, c'est limite plus rapide. Hein. Alors. J'aime bien cette planète. Pas le plus joli, mais j'aime bien le... Ça va bien avec mon poncho, je trouve. Demolition Man, essaye la force. Oh merde, il y en avait une derrière moi, j'avais pas vu. J'ai l'impression des fois que attaquer les persos. Ah bah j'ai oublié du coup. Ah fait chier. Ah moi j'ai envie d'y retourner, je suis désolé. Hein. C'est pas loin. On s'en fait juste un. C'était pas ici. Et après on va au vaisseau. Ça se trouve on va débloquer un truc cheaté, hein. On sait pas. Ah la mauvaise foi, j'aime bien, moi ça me fait rire. Le sarcasme et la mauvaise foi, ça me fait rire. Après, avec modération, hein, évidemment. Alors, c'était où? Ah, c'était là. Voyons voir. Sachant que la planète, on l'a explorée à 85%. Je pense pas que ça doit être un gros truc non plus. Ah bah c'est juste pour un coffre. Ce sera sûrement très rapide. Oh ok. Pour deux coffres. Regardez-moi cette vue. Assez stylé. C'est bizarre parce que les 10 premières minutes du jeu, ça reste quand même le plus joli, je trouve. Nouvelle apparence pour BD-1. Ouh, en mode un peu rouillé, c'est pas mal. Sympa. Merde. Je fais nimp. Merde. Alors. Putain mais. Y'a des petits bugs. Oh putain, mais il y a du monde en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Another step. Et ben on s'est fait défoncer. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de zombies quoi. J'aurais peut-être dû passer au double sabre. Il faut que je me serve la force, putain, j'oublie tout le temps cette force. Pourtant, je suis un Jedi, hein. Je devrais m'en servir. Hein. Vous me l'avez dit tous les deux. Enfin non, Shinzo, lui, il parlait juste de... Demolition Man. Et Shinzo, j'ai une question pour toi, d'ailleurs, après. Dès qu'on retournera dans le vaisseau, je ferai... pause d'une minute. Je te poserai la question. La réponse m'intéresse. Il était toujours là. On va pas se faire avoir deux fois. Merde, je suis peut-être... Alors. Déjà, on va essayer de pas faire de la merde sur eux, là.
pas mal, merde. Ça bien que je puisse me les faire là. C'était pas des mongolos. Ça y est. Merde. Ça y est. Alors. Normalement. Je peux rien faire, hein. C'est ouf. Aïe. En fait, c'est une attaque, une esquive limite, hein. Je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on peut récupérer l'autre coffre et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Il est où ce coffre d'ailleurs? Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Nos matériaux de tenue. Ah d'accord. Ouais non mais c'est qu'on avait bien. Voilà, c'est fait. Allez, go. Oula, attends, il y a encore des trucs, là. C'est infini. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, oh, une gazinière. Nice. Ça va nous filer un medikit en plus du coup. Ah ça c'est cool. Good catch, BD. This is really gonna help us. On passe à 8. Oh Maître Yoda, comment vas-tu? J'ai pris en avance aujourd'hui Maître Yoda. J'ai pris à 9h. Tu vois, on a bien fait d'y aller ici. On est passé à 8 medikits. Allez, go. On va retourner au vaisseau. Tu as juste loupé un boss, Maître Yoda. Un bon gros boss. Mais le jeu n'est pas encore fini. Alors. J'oublie tout le temps celle qu'il y a derrière nous. Ok, nice. On va essayer de la niquer par au-dessus. Voilà. Voilà. On va juste. Ouais, si, on va se soigner, remarque. Ouais, écoute, j'étais réveillé donc je me suis dit. Allez, tant pis, je prends à 9h au lieu de 10h. Ça fait plus de jeux pour moi, plus de jeux pour vous. Merde. Je crois que j'avais pas attrapé la corde. Hop. Elle met nous la porte là. Ok, elle m'amène pas au vaisseau. Le vaisseau c'est tout droit, tout droit, tout droit. Ok. Bon bah de boss, il nous reste que la deuxième sœur apparemment. Et peut-être un boss, un gros méchant dont on ne connaît pas l'existence. Est-ce qu'elles vont me suivre jusqu'à en bas? Non. Elle est où la porte? Ici. Alors, est-ce qu'elle est là notre pote? You found it. Whoa, who's this? What's that supposed to mean? It means I'll be joining you.
Seer, Grease, this is Marin. She's a witch, isn't she? My girlfriend. Your fear is unnecessary. I couldn't have gotten the Astrium without her. We fought Malakos together. I trust her. And we trust you. You will have to earn it. Okay, fine. Grab some seam. Don't try anything funny. Welcome aboard. Oh bah ça s'est plutôt they bien like passé. You. I don't know what you're saying. Il est in love le Cal, hein. Ça se voit, il est un peu in love, hein. Il essaie pas de nous le cacher, hein. Regarde ça, même elle, elle est in love là. Regarde comme elle te mate. Et garde les yeux hauts, toi. Hein. Bon, les plantes ont l'air pas mal. Alors, continuons. Ok, so next. Ouvrez le sanctuaire ancien sur Bogano. Oh putain, on va retourner sur Bogano. Ici. 98%, hein. De planète, là. Fou. Allez, go. You fought in the Clone Wars, did you not? I did. Why do you ask? Have you ever buried someone you love? In a sense. After the massacre, I buried my mother's, my friends, Ileana. Who is she? We used to sneak out to the swamps and make potions together. We were so close. I thought when we were older, we would be together. Instead, I closed her eyes and bundled her with the others. I wish I could tell you that you'll move past it. But the truth is, you never will. Perhaps it's strange, but it is comforting to know I'm not alone. I don't think that's strange at all. Okay. Je sais pas s'il est là, Shinzo. Oh. It worked for Cordova. You can make it work. She's right. Oh, hey, is anybody hungry? I was thinking of whipping up some scat steaks. I'm sorry, am I interrupting? No, Captain. And we couldn't have gotten this far without you. Oh, well, it's true, Grease. Thank you. Hey, I hope you get in there and you find that hollow thing. Holocron. Are you sure it's something you should find? What do you mean? The children on that list. If you take them from their homes to train as Jedi, won't they be hunted like you? It has to be kept out of the hands of the Empire. It'll help us put an end to the Empire. Oh, hey, change of plans, we're arriving. Oh, Grease. Il est chelou, lui. I take my steak rare. Huh? C'est un putain de traître. Non, il va pas nous faire ça. Ah, moi, je suis parano. La planète à la lumière buggée. Alors, Bogano, here we go again. Est-ce qu'elle vient avec nous, notre femme? Elle est déjà dehors? Yes. There's something weird about this place. The energy is different here. Yeah, it's different than Dathomir. Yes. Dathomir is intricate. Its ancient power emanates from the shadows. Bogano feels more simplistic, and yet, I can't figure it out. Bogano is special. There's a reason the Zeffo built their vault here. Where your holocron waits. Hidden. What are you getting at? This planet has remained nearly untouched for centuries. Were the lives you seek to protect really in danger before you intervened? Hmm. Commence pas à nous faire de la psychologie inversée à la con, là.
Il est en anglais ton jeu ou tu préfères... je préfère laisser en anglais moi. Toujours... j'aime bien la version originale. Attends, j'ai même pas regardé où on doit aller au final. Si les sous-titres sont pas assez gros, je vous les mets plus gros. Hein. Ah ok, faut juste retourner au... Ok, bon ça, ça va. Ça devrait le faire. Si on passe par... ici, ici, ici. Ok. Là. Est-ce que je peux la prendre, cette tyrolienne? On va tester, on va peut-être crever. Oh, ça marche. Nice. Ça fait un bon petit raccourci. Ok, faut qu'on aille là-bas. Bon. Ça va pas être très compliqué. Non, 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 non. Vivez votre vie, les mecs. Moi, je suis bien ici. Merde. Voilà. Putain, le double saut, ça fait tellement du bien. Alors. Normalement, il y a une bébête qui va apparaître, là. Voilà. Et on n'en parle plus. Alors. I'm sensing something weird. Ah. This is gonna sound strange, but I think it's the astrium. The closer we get to the vault, the stronger it feels. Et la deuxième sœur qui va se ramener, c'est sûr. Oula. C'est bizarre parce que je crois que c'est le seul Star Wars pour l'instant où il n'y a aucun de nos potes qui meurt. Here we go, BD. Ouais. Et toujours, normalement, il y a toujours un gentil qui meurt. Ok. Alors.